Le grand jour est arrivé. Windows 11 va bientôt débarquer dans nos marchés et Windows 10 va tomber dans les oubliettes. Nous allons découvrir la nouvelle version de Windows 11 fuitée pour cette vidéo. Voilà, Windows 10 va bientôt être terminé et ce sera remplacé par Windows 11. Quelles seront les nouveautés de Windows 11? Est-ce que c'est vraiment la fin de Windows 10? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Et bonjour tout le monde, c'est moi Omer. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons découvrir Windows 11, la nouvelle système d'exploitation de Microsoft. Voilà les amis, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps concernant Windows 11 qui pourrait bientôt être annoncé par Microsoft. Et là, depuis quelques jours, quelqu'un a publié un fichier contenant l'installation de Windows 11. Donc ça veut dire que Windows 11 a été fuité Internet. En tout cas, voilà, nous allons télécharger Windows 11 et on va tester ensemble Windows 11, nouvel système d'exploitation de Microsoft. Bon, par contre, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien vous faire cet avertissement. Voilà, ce n'est pas un Windows 11 officiel. C'est une version fuitée que quelqu'un a publiée sur Internet. Je ne vais pas vous mettre le lien dans la description pour éviter des soucis de droits d'auteur et de piratage. Donc voilà, si vous voulez installer Windows 11, je vous conseille d'aller rechercher sur Google pour trouver l'installation. Et concernant Windows 11, ce n'est pas une vraie version officielle. Donc, il se peut que cette vidéo sera supprimée ou bloquée par Microsoft parce que ce n'est pas une installation officielle. Si jamais cette vidéo a été supprimée, je ferai une autre vidéo pour vous montrer le vrai Windows 11 quand Windows 11 sera bientôt sorti officiellement par Microsoft. Merci de votre compréhension. Donc voilà, nous allons tester Windows 11. J'espère que vous allez apprécier. Donc voilà. Voilà, cela fait 6 ans que Windows 10 existait. On croyait tous que ce sera le dernier Windows qui sera disponible parce que Microsoft avait dit que ce sera le dernier Windows qu'on va avoir. Et effectivement, non. D'après la rumeur que vous avez vue dans ma vidéo, effectivement, il y aura une conférence qui aura lieu dans quelques jours pour vous présenter le nouveau Windows. D'après la rumeur, Windows 11 va bientôt débarquer chez nous. Donc voilà les amis, quelqu'un a publié sur Internet le fichier d'installation de Windows 11. Donc voilà les amis, je vais créer une machine virtuelle pour pouvoir vous présenter Windows 11. J'ai pas envie d'installer Windows 11 sur mon PC actuel parce que sinon j'aurais du mal à tourner cette vidéo. Je vais le faire sur une machine virtuelle. Pour ceux qui ne savent pas, la machine virtuelle permet de faire comme un Windows sur votre PC mais en virtuel. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc voilà, nous allons découvrir ensemble Windows 11 pendant cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons découvrir quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Pour l'instant, ce n'est pas le vrai Windows 11 officiel. On verra quand la vraie version sortira. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire comme d'habitude. Eh bien voilà les amis, vous êtes prêts? Nous allons découvrir Windows 11 tout simplement. Donc voilà, en espérant que vous allez apprécier. On va voir ce qu'il y a dans Windows 11. En espérant que vous allez apprécier. Donc du coup, allez c'est parti les amis, on va commencer l'installation. C'est parti. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je suis dans le bureau avec la machine virtuelle. On va l'ouvrir, voilà. Donc voilà les amis, nous sommes dans la machine virtuelle. Comme vous pouvez le voir, on fait la configuration, voilà. Nous sommes sur le logiciel qui s'appelle Oracle VM VirtualBox. C'est un logiciel de VirtualBox. C'est un logiciel de machine virtuelle, quoi. Comme vous pouvez le voir, on peut changer pas mal de choses, donc voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà. Donc, j'ai le fichier d'installation de Windows 11. Donc, on va mettre ça pour le stockage. Voilà, on va mettre ça. En tout cas, ça pourrait être intéressant. Alors, le réseau, on va mettre le réseau par point et tout ça. On va mettre tout ça. Voilà.
J'utilise la machine virtuelle pour faire Windows 11, donc voilà. Et donc, on va démarrer Windows 11 pour voir ce que c'est la machine virtuelle. Voilà, tout simplement. En espérant que vous allez apprécier. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes en train d'installer Windows 11. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Allez, c'est parti les amis, nous allons faire l'installation. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'installation de Windows 11. Je pense qu'il y a seulement, la version anglaise de l'installation, il n'y a pas français. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va faire l'installation de Windows 11. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Ah, on dirait l'interface de Windows 7 pour installer Windows 7. Ok. Bon là, j'ai pas de clé d'activation, ça sert à rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs versions pour Windows 11, pour installer Windows 11. Donc voilà, vous avez Windows Home, le Pro et tout ça, éducation. On va prendre Windows Pro, tout simplement. Donc on va prendre cette version de Windows. On va cliquer ensuite. Voilà, et donc ce sont les termes de condition, donc on va accepter les termes. Quelle installation voulez-vous faire? Bon, on va installer Windows, et là on va installer dans la machine virtuelle tout simplement. Donc on va, voilà, c'est sur machine virtuelle, donc on va prendre la partition, on va prendre celui-là, et on va commencer à installer Windows tout simplement, en espérant que ça va apprécier. Comme vous pouvez le voir, voilà les amis, nous sommes en train d'installer Windows 11. Bon les amis, je vais accélérer le processus de l'installation de Windows 11 dans le montage de cette vidéo, sinon ça va être trop long. Je vous retrouve tout de suite pour l'installation de Windows 11, je vous retrouve dans un instant. Ah, nous sommes arrivés dans l'installation de Windows, ça va démarrer. Voilà le chargement de Windows 11, donc on va accélérer un peu. Et maintenant, nous sommes dans l'installation, ça va commencer. Petit chargement. Waouh! Ok, la petite logo sympathique. Et donc voilà les amis, nous sommes dans l'installation de Windows tout simplement. Donc voilà, on va commencer à installer. C'est parti. Bon, en tout cas les amis, nous allons installer Windows 11. C'est parti les amis. Donc voilà, donc là c'est pour choisir le clavier. Donc on va prendre le clavier de France, ce serait mieux. Alors, voulez-vous ajouter un deuxième clavier? Bah non merci, à plus tard tout simplement. Voilà. On va passer à la suite. Donc là, nous sommes en train d'installer Windows 11. Ça va être génial. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc on va installer. Comment tu veux configurer? Bah, on va configurer. Soit configurer pour travailler à l'école ou pas. On va prendre normal. Voilà. Ajouter votre compte Microsoft. Bon là, c'est pour ajouter un compte Microsoft. Mais bon, on va pas le faire. On va faire ça plus tard. Donc voilà, on va tout simplement... Vous avez trois options pour déconnecter ou se connecter avec une clé. Mais bon, on va pas faire ça. Du coup, on va faire un compte hors ligne parce que j'aime pas trop. Je vais pas créer de compte Microsoft. Connectez-vous pour envoyer. Non, je vais pas me connecter. On s'en fout. Donc, on va mettre limité expérience. C'est pour créer un compte Microsoft si vous voulez installer Windows 11. Qui va utiliser ce appareil? Allez, je mets Homer, voilà, je vais mettre Homer, Homer, voilà, Homer The Show. Donc voilà, on va mettre suivant. Après, vous pouvez utiliser un compte en ligne, mais j'ai pas trop envie, donc on va passer à la suite, donc suivant. Voilà, j'espère que vous allez apprécier, donc là, on va installer Windows, tout simplement. Et là, il faut créer un mot de passe, donc je vais faire le mot de passe. Ensuite, vous avez Microsoft qui veut utiliser, vous localiser, pour trouver l'appareil et vous localiser, donc on va pas... On va pas le mettre, voilà. Donc, mettre oui ou non, on va mettre ça. Envoyer des données à Microsoft, bah, on va pas envoyer, hein. On va pas envoyer, ce n'est pas le vrai Microsoft, le vrai Windows 11. Donc, on va tout mettre à non. Il faut tout mettre à non, hein. Il faut cliquer sur non tout le temps parce que ce n'est pas le vrai Windows 11. Donc, voilà, on va mettre comme ça. On va attendre que ça charge un petit peu. Et là, c'est marqué préparation de Windows. Donc là, nous sommes dans l'installation. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. Et voilà les amis, nous sommes dans l'écran de bienvenue de Windows 11. C'est marqué préparation de Windows. Ça va prendre, et là c'est marqué, ça va prendre quelques minutes. N'éteignez pas le PC. Donc là voilà, et ça va commencer. Donc je vous retrouve dans un instant. Ça va être un petit peu long le chargement. Donc je vous retrouve dans un instant pour la fin de l'installation. Et après on va commencer Windows. A tout de suite. Donc... L'installation est terminée, on est presque là. Et là, on va se connecter à Windows. Allez, c'est parti.
Et voilà, nous sommes arrivés à Windows 11 avec mon pseudo Homer The Show. Bon, par contre, bon les amis, je vais faire un petit coupure. Je vais changer un petit peu l'interface Windows 11 parce que l'écran n'est pas en plein écran. Je vais faire quelques modifications et après on va découvrir Windows 11 dans un instant. Comme vous pouvez le voir, ce sont les applications et tout ça. Voilà. Et également, Windows 11 a une nouvelle interface du menu démarrer, la barre des tâches. Vous voyez, c'est une nouvelle interface. Là, vous pouvez accéder à Microsoft, le store pour aller à la boutique de Microsoft. Donc là, vous avez les jeux, vous avez les téléchargements, voilà. Vous avez plein de choses. Là, c'est pour installer des applications pour Windows 11. En tout cas, c'est pas mal. Ouais, ça en anglais, mais après, je vais couper l'enregistrement et je vais continuer après. Bon les amis, je vais faire un petit coupure de cette vidéo et je vais installer Windows, le mettre en français et tout ça. Bon là, c'est l'avis de commande et tout ça, donc là, vous avez l'avis de commande tout simplement. Allez, je vais installer Windows 11, donc je vais faire un coupure, je vais tout régler moi-même. À tout de suite. Eh bien mes amis, je suis de retour. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de régler Windows 11 à ma manière. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est Windows 11 qu'on a installé. Voilà, nous avons installé Windows 11. Maintenant, je vais vous faire un petit tour, une petite présentation de Windows 11 tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est à propos de Windows, donc Windows 11 version, voilà. La version édition installée et tout ça, copier. Voilà. Bon, par contre, j'ai remarqué que les paramètres sont en anglais et que la barre des tâches sont en français. Bon, bah, j'ai essayé de mettre en français. Il y aura certains trucs qui seront en anglais. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai installé Windows 10 sur mon autre PC, comme vous pouvez le voir. En espérant que vous allez apprécier. Donc, voilà, c'est pas la même chose. En tout cas, voilà, j'ai essayé de faire le mieux possible. Et donc voilà, nous sommes dans Windows 11 tout simplement, donc vous pouvez le voir. C'est le nouveau bureau, la nouvelle interface de Windows pour Windows 11 tout simplement. Eh bien mes amis, je vous propose qu'on fasse un petit tour découverte. Comme vous pouvez le voir, c'est la barre des tâches avec explorateur de Windows, les gadgets, le menu démarrer, la recherche et également Windows Store pour mettre des applications. Donc, nous allons ouvrir l'explorateur. Comme vous pouvez le voir, c'est l'explorateur de Windows dans Windows 11 avec des nouveaux icônes vraiment très beaux. J'aurais bien aimé une nouvelle interface explorateur Windows, mais c'est déjà pas mal. Avec le lecteur DVD virtuel, je suis sur machine virtuelle. En tout cas, voilà. C'est l'interface de Windows 11. J'espère que vous allez apprécier. Du coup, voilà, les images et tout ça, le bureau, les téléchargements. Voilà, c'est vraiment pas mal Windows 11, hein. J'adore déjà, hein. Enfin voilà quoi, c'est pas mal. En tout cas, vous avez ce PC pour gérer l'ordinateur sur Windows 11, comme sur les autres Windows, et voilà. Vous avez les téléchargements, les documents, les images, et voilà, donc voilà, le réseau et tout ça. Bon, enfin bref, nous allons passer à la suite, donc du coup, voilà, c'était l'explorateur de fichiers, donc maintenant... On va aller sur le menu démarrer, donc voilà, le menu démarrer est juste là, comme vous pouvez le voir sur la barre des tâches. L'écran de démarrage, bah, c'est le menu démarrer, je pense, normalement, voilà, on espère que ça va apprécier, donc on va l'ouvrir. Et voilà, voici l'écran, le bureau, la barre des tâches et tout ça, c'est le menu démarrer. Comme vous avez pu voir, c'était le menu démarrer. Et à droite de l'écran, vous avez, comme sur Windows 10, les notifications et tout ça. Pour définir une installation, les mises à jour sont terminées, voilà. C'est déjà pas mal, bah c'est déjà nickel. Ensuite en bas à droite, vous avez les icônes, les applications et tout ça. Vous avez déjà pas mal de choses. Ensuite vous avez les widgets, les gadgets je pense, donc on va essayer d'ouvrir ça. Ah ok, donc les gadgets c'est à gauche de l'écran, donc c'est à gauche. Donc on va attendre un petit peu que ça charge, bien évidemment on va attendre. Ah voilà, donc là, vous avez les notifications, vous avez toutes les actualités, vous avez plein de choses. Ah ben c'est pas mal tout ça, on a tout ce qu'il y a là-dedans. Alors là c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a sur les trois petits points, la tableau de bord, les centres d'intérêt. Donc ça c'est les centres d'intérêt. Ah oui, c'est Microsoft Edge bien évidemment, préinstallé sur Windows 11 et sur 10. Donc là vous avez ceci, donc les centres d'intérêt et tout ça. Bon là c'est déjà pas mal, vous avez déjà pas mal de choses. Tout savoir sur Windows en particulier, c'est déjà pas mal. Bon enfin bref, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié.
On retourne sur le menu démarrer. Donc là, c'est le menu démarrer qu'il faudra cliquer. Vous avez plein d'applications comme Microsoft Edge, Calendrier, Solitaire préinstallé, Netflix, la liste, et plein d'applications comme Twitter, les actualités, les paramètres, et les trucs épinglés et les recommandations, tout simplement, avec toutes les applications que vous avez sur Windows 11, tout simplement, voilà. En tout cas, à droite, vous avez les notifications, vous avez plein d'autres choses. Et là, c'est les paramètres du PC, donc voilà. Bon, le menu paramètres est en anglais, il n'y a pas en français. Donc là, ah oui, là, c'est pour changer l'affichage. C'est pour changer l'affichage, l'écran, la résolution de Windows. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez déjà pas mal de choses, vous pouvez agrandir et tout ça, c'est déjà pas mal. Bon, enfin bref les amis, je vais vous montrer les paramètres d'ailleurs de Windows 11. Je pense que c'est la même interface que Windows 10, hein. Je m'attendais que l'interface aurait changé pour les paramètres, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous avez le truc de démarrer, vous avez les applications ajoutées, ben voilà, plein de choses. On va un petit peu explorer ce qui se passe dans Windows 11. Vous avez OneDrive, vous avez prise en main de Windows. Les recommandations, c'est déjà nickel, nickel, nickel. Voilà, c'est pas mal. En tout cas, voilà, si vous avez plein de choses pour Windows 11, hein, c'est déjà pas mal tout ça. Donc, la prise en main et tout ça. Alors, la prise en main, bah, on va découvrir c'est quoi la prise en main. Bienvenue, nous allons vous nous assurer que tout est prêt comme vous le souhaitez. Donc, là, c'est pour découvrir Windows 11, tout simplement. Bah, on fera après. Donc, là, qu'est-ce qu'on a exploré dans le menu démarrer? Bon, le menu démarrer n'est pas complètement terminé à 100%. Je rappelle, c'est une version pas officielle de Windows 11. Ce n'est pas la vraie version officielle. Donc, on va faire la prise en main. Vos fichiers sont déjà présents. Organisez vos fichiers. Ok. On passe à la suite. Utilisez le navigateur qui vous priorise. D'accord. Les nouvelles fonctionnalités. Ah oui, pour télécharger la mise à jour. Et c'est terminé. Voilà. Donc là, c'est la prise en main de Windows, tout simplement, pour Windows 11. Ensuite, dans le menu démarrer, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la liste des applications. Ah, dans cette option, vous avez toutes les applications directement dans une liste, comme sur Windows 10. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez la Xbox, vous avez ça. Les trucs d'outils, les outils de Windows, comme sur Windows 10. Et donc, voilà, vous avez les courriers, les calendriers, Netflix, Spotify, et plein d'applications sympathiques préinstallées. Ah, et dans cette version de Windows 11, on peut déplacer les icônes du menu démarrer. Ça, c'est intéressant. Alors là, j'adore vraiment Windows 11, ça a l'air pas mal. Photoshop et tout ça, Messenger. Voilà, vous avez pas mal de choses quand même. C'est déjà intéressant. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de Windows 11. C'est pas mal, hein. En tout cas, voilà, vous avez PixArt, l'application. Également, voilà, il y a déjà pas mal de nouveautés à savoir. Alors, concernant les applications, normalement, on peut épingler à l'écran au menu démarrer, voilà, pour épingler comme ça, on peut l'épingler comme ça. Après, je sais pas si on peut mettre plusieurs rangées comme sur Windows 10, je suis pas sûr. Donc là, c'est pour, vous pouvez déplacer et organiser vous-même votre propre menu démarrer de Windows. Et là, c'est l'outil pour capturer l'écran. Bon, ça, c'est pas intéressant, donc voilà. Alors, menu démarrer, qu'est-ce qu'on a? Vous avez pas mal de choses. On va voir dans les paramètres, tiens, il n'y a pas autre chose dans les paramètres que j'ai peut-être oublié. Ah oui, vous avez Windows, vous avez tout ça. Vous avez pas mal de choses quand même, hein, pas mal de trucs. Vous avez aussi l'application de Xbox. Et là, c'est le calendrier. Comme vous pouvez le voir, c'est le calendrier, tout simplement. Voilà, c'est le calendrier de Windows, comme dans Windows 10. Avec l'explorateur de fichiers, bien évidemment, vous avez pas mal de choses. Pour ajouter des événements, pour faire votre agenda comme sur Windows 10, bah voilà, c'est déjà intéressant. Nous allons continuer à explorer les paramètres de Windows 11. Je pense que c'est tout le même concernant Windows 10. À mon avis, le menu paramètres n'a pas vraiment changé un peu. C'est le même que Windows 10. Bon, je tiens à rappeler, c'est Windows 11, cette version Windows 11 n'est pas la version officielle. Donc là, c'est sympa par contre. On peut mettre la barre des tâches au milieu, les icônes, et on peut mettre comme avant, comme sur Windows 10. Alors là, c'est déjà pas mal. En plus, nous avons le nouveau logo de Windows 11, donc c'est pas mal, voilà. Donc ça, c'est pour mettre les widgets, les applications. Vous pouvez activer tout ça pour activer, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, hein, vous pouvez mettre le menu démarrer comme ça et plein, pas mal de choses comme ça. Vous avez toutes les applications comme sur Windows 10, la caméra, et notamment Cortana. C'est très connu, Cortana.
Voilà, c'est Cortana. Vous savez, Cortana, comme sur Windows 10, bah voilà. Il y a pas mal de choses à découvrir dans Windows 11, ça j'adore. Donc voilà, ah oui, vous avez l'icône de la batterie si vous êtes sur portable, PC portable. Et là, vous avez le clavier. Waouh, le clavier avec les images des GIFs et tout ça. Waouh, j'adore avec les images comme ça. Alors là, c'est pas mal. Là, c'est pour écrire le clavier. On dirait comme l'interface sur iPhone pour écrire sur iPhone. On dirait ça. C'est déjà pas mal. Vous avez les images comme les mignons. Un monsieur qui crie comme ça. Applaudissements. Voilà. Donc, c'est l'interface Windows 11. Hein. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à montrer sur... Enfin voilà, vous avez pas mal de choses quand même. Bah voilà. En tout cas, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, pour les paramètres de la barre des tâches, bah, ça reste pareil. Le menu démarrer, vous avez tout ça. Bon, je sais, le menu paramètres est en anglais parce que ce n'est pas la version officielle de Windows 11. Il faudra attendre que Microsoft nous dévoile le vrai Windows 11. On verra prochainement. Alors, quels sont les dossiers à apparaître en menu démarrer? Bah, on peut mettre les dossiers comme ça, voilà. Voilà, ouverture du menu démarrer. Ah, c'est en français le truc en haut à droite. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, ah oui, vous avez toutes les fonctionnalités qui doivent. Ok, j'ai compris, c'est pour mettre tous les icônes sur le menu démarrer. Donc, fichier d'exploration, vous avez les dossiers personnels, vous avez le dossier téléchargement si vous avez téléchargé des fichiers, des vidéos. C'est déjà pas mal, vous avez pas mal de choses. En tout cas, voilà. Et également sur Windows 11, c'est comme sur Windows 10, vous avez plusieurs bureaux, comme la gestionnaire de bureaux, comme ça. Vous pouvez mettre plusieurs bureaux et naviguer entre chaque application et envoyer les applications dans divers bureaux. Par exemple, envoyer Google Chrome sur un autre bureau et après travailler sur un autre bureau. C'est comme sur Windows 10, vous pouvez mettre des applications sur d'autres bureaux. C'est déjà pratique, hein, comme le calendrier, tout ça. C'est déjà sympatoche, hein. On peut créer pas mal de bureaux qu'on peut aussi. C'est déjà, bah voilà. Hein. Et également, regardez les amis, qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut mettre Windows 11 en mode dark. Et oui, on peut mettre Windows 11 en dark. Le mode sombre dans Windows 11. Voilà, donc vous pouvez le voir. Dans Windows 11, vous pouvez mettre Windows en blanc et en noir, ce qui est très bien. Très pratique pour ceux qui utilisent le PC pendant la nuit parce qu'avec les lumières ça fait mal aux yeux. En tout cas voilà, vous pouvez mettre la transparence comme dans Windows 10, c'est pas mal. Vous pouvez faire ci comme ça et voilà quoi, la paramètre et tout ça. On va retourner sur le menu. Ah oui, le menu démarrer est en noir. Et là on peut changer la couleur normalement. Là vous avez la liste des couleurs à changer comme sur Windows 10. Par exemple mettre du rouge, des jaunes et tout ça. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Ensuite, bah voilà, pour choisir les couleurs automatiques et tout ça. Là, vous pouvez le voir, on peut changer les couleurs. Ça se met comme ça, par exemple, en bleu. Ça peut être pas mal en bleu. Et automatiquement, sélectionner une couleur de l'arrière-plan. On peut mettre du blanc si c'est un truc de blanc derrière et tout ça. Alors, pour la personnalisation, ah oui, c'est pour personnaliser les couleurs de chaque interface, comme par exemple celui-là, et garder en noir le menu paramètres. En tout cas, voilà, vous pouvez changer comme ça. Est très pratique, en tout cas voilà, ça permet de personnaliser, au moins ça permet de personnaliser son Windows 11, ça permet de personnaliser, ce qui est quand même pas mal. Après vous avez les thèmes comme sur Windows 10, voilà, vous pouvez personnaliser le menu démarrer peut être comme ça, bien évidemment. On peut faire pas mal de choses, ce qui est pratique. Bon allez les amis, nous allons voir l'explorateur de fichiers. J'ai pas encore exploré l'explorateur de fichiers, comment ça se passe. Donc, on va voir c'est quoi les fonctionnalités de l'explorateur de fichiers Windows 11. Ah, ça permet d'ajuster la fenêtre. Bah, comme on sait, on peut l'ajuster. Waouh, de plusieurs manières. Attends, on peut faire de plusieurs manières, c'est ça? Donc, on a en plusieurs morceaux. Si j'essaie celui-là, j'aurais essayé celui-là. Ah, ouais, ça permet de faire comme ça. Waouh, c'est beau. Eh, c'est pas mal quand même. Ok, donc, voilà, c'est déjà pas mal. Et là, c'est l'explorateur. C'est le navigateur Microsoft Edge. Voilà, c'est le navigateur. Voilà. Vous pouvez installer Google Chrome, mais bon, hein. Je rappelle, ce n'est pas la version officielle de Windows 11. Ce n'est pas la version officielle. Donc là, vous pouvez mettre les fenêtres dans n'importe quelle rangée. Waouh, c'est pas mal. Je sais plus si on peut faire ça dans Windows 10. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez le voir. C'est personnaliser son ordinateur. C'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez le voir. On peut arranger les fenêtres, mettre les fenêtres partout. Bah voilà. Ensuite,
Donc, nous sommes dans ce PC. Ce PC, ça veut dire, pour gérer le disque dur et tout ça. Donc ça, c'est le disque virtuel, le disque local, j'ai 40 gigas. Donc on va un petit peu explorer concernant Windows 11, on va voir ce qui se passe. J'ai fait un petit message de coucou, bien évidemment, j'ai fait un petit message pour dire bonjour à mes abonnés d'Homer The Show. Donc là, si je peux vous montrer le texte, je peux vous le montrer, justement, vous montrer le texte après. Alors, il n'y a pas des nouveautés pour la clic droite, c'est les mêmes menus, tout ça. Y a, à part que la façon c'est fait, c'est un peu différent. Accorder l'accès et tout ça, ouais, c'est bon. Microsoft Defender, ah oui, Microsoft Defender, c'est l'antivirus. Alors, pour les options des dossiers, c'est comme sur Windows 10, hein. Donc on va laisser ça comme ça, je pense qu'on va pas changer grand chose, on va laisser comme ça. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. On peut ouvrir plusieurs dossiers comme ça. On peut ouvrir pas mal de choses. Ensuite, pour le son, là c'est les paramètres du son pour mettre quel bruitage Windows 11 doit jouer quand vous êtes sur l'ordi Windows 11. Donc voilà, vous pouvez mettre comme ça. Ce qui est pratique, bien évidemment. Donc voilà, on peut tester les sons, voilà, on peut tester tout ça, hein. Les bruitages de Windows et tout ça, ce qui est quand même pas mal. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez apprécier, hein. Du coup, voilà, là ça permet de lire les bruitages et tout ça, voilà, rapport de problème. Voilà, comme sur Windows 10, vous pouvez personnaliser pas mal de choses, personnaliser le son, personnaliser le clavier, personnaliser le thème et plein de choses, comme sur Windows 10. Pour les amis, est-ce que le panneau de configuration est toujours sur Windows 11? On va voir si le panneau de configuration est toujours là. On sait jamais. Ah oui, le panneau de configuration, l'ancien panneau de configuration est toujours là sur Windows 11. Bah écoutez, nous allons voir ce qui se passe, hein. Nous allons voir c'est quoi le panneau de configuration sur Windows 11. Donc, c'est comme sur Windows 7 et Windows 10, c'est l'ancien panneau de configuration pour les comptes, les applications, les transparences, l'internet, les réseaux. Je pense que c'est le même dans tous les Windows jusqu'à Windows 7. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de changement. Bah ouais, c'est déjà c'est l'ancien panneau. Alors les amis, comment il faut faire pour quitter sa session à Windows 11? On peut faire comme ça. Voilà, on peut se déconnecter de Windows 11 comme ça. On peut se déconnecter. Là voilà, nous sommes là-dedans. On peut entrer son compte et tout ça. Donc on va entrer le compte là. Bienvenue et on peut rejoindre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de Windows 11, hein. On peut utiliser la touche Windows et le touche là. Je mettrai à l'écran les touches, comme ça vous pouvez verrouiller votre compte directement et vous entrer son pseudo bien évidemment. Regardez ce qu'on peut faire dans Windows 11. On peut avoir l'ancien menu démarré dans Windows 10. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, c'est l'ancien menu démarré de Windows 10. On peut prendre la nouvelle ou alors faire l'ancienne interface. Donc là, on peut mettre pas mal de choses. On peut mettre ça. C'est le menu démarré de Windows 10. Hein. C'est comme l'ancienne version. Hein. Donc voilà, c'est pour mettre les productivités, pour mettre des applications comme sur Windows 10, pour mettre des applications en épinglé, pour mettre par exemple Spotify ou des jeux. Tout ce que vous voulez pour personnaliser votre Windows. Voilà, c'est comme l'ancien monsieur, l'ancien menu démarré, tout simplement, voilà, en espérant que vous allez apprécier. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe si vous éteignez Windows 11. Si vous cliquez sur arrêter, il n'y a pas une nouvelle interface pour arrêter Windows. Ah non, c'est le même. C'est le même que Windows 10. Bon ok, voilà. Là, c'est pour éteindre le PC et quitter Windows, tout simplement. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo découverte de Windows 11. En tout cas voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo découverte sur Windows 11, la version fuitée. Je tiens à vous rappeler, ce n'est pas la version officielle de Windows 11. Il faudra attendre quelques temps pour la conférence de Microsoft, pour la nouvelle version de Windows, pour l'arrivée de Windows 11. Windows 11 qui sera bientôt dévoilé. Et bien sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Que pensez-vous de Windows 11? Est-ce que vous avez aimé la présentation de Windows 11? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour donner votre avis, en espérant que cela va vous plaire. Et bien voilà les amis, j'espère que la présentation de Windows 11 vous aura plu. En tout cas, je suis impatient que Windows 11 sortira officiellement. Comme ça, ce sera une nouvelle ère qui va commencer, un nouvel ère, nouvelle histoire qui va commencer
Après Windows 7, Windows 10 et les anciens Windows comme Windows XP, les versions cultes, maintenant c'est Windows 11 qui va bientôt arriver. En tout cas, ça va être génial. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va apprécier. En tout cas, si vous voulez télécharger Windows 11, bah, je mettrai pas le lien pour éviter le piratage. Donc, si vous voulez installer Windows 11, il faudra trouver le fichier et l'installer tout simplement pour installer sur votre PC. En tout cas, après, si vous voulez, vous pouvez utiliser une machine virtuelle pour installer Windows 11. J'ai installé une machine virtuelle parce que sinon, j'aurais pas pu filmer cette vidéo. Ça aurait été un peu compliqué, hein. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Par exemple, le nouveau menu démarrer, une nouvelle menu démarrer qui est sympatoche avec le nouveau explorateur de fichiers. Il y a eu pas mal de nouveautés sur Windows 11. En tout cas, c'était vraiment génial. Maintenant, comme c'est pas une version officielle de Windows 11, en tout cas, on verra quand le vrai Windows. On verra si Microsoft va annoncer dans la conférence de Windows pour annoncer Windows 11. Microsoft va annoncer Windows 11. On verra bien. Allez les amis, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Allez, sur ce les amis, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Allez les amis, c'était Homer. Merci à tous. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous. À bientôt.